La Sacvelle, à nouveau, dans la tourmente, déjà poursuivie en justice par une centaine de locataires qui dénoncent une hausse de leur loyer. Le bailleur social de la ville de Lyon est cette fois soupçonné de vente frauduleuse de terrain au profit du Grand Lyon, un terrain de plus de 100 000 mètres carrés situé dans le 7e arrondissement. Des accusations portées par l'élu d'opposition Emmanuel Hamelin. La Sacvelle a été lésée dans cette opération d'au moins 180 000 m² de chaune et d'au moins 54 millions d'euros. Donc, quand on sait que la Sacvelle aujourd'hui a une situation financière un peu compliquée, qu'elle a en charge la gestion et la construction de logements sociaux dont on a bien besoin, je suis scandalisé sur le principe que Gérard Collomb ait fait du bénéfice sur le dos de la Sacvelle.